Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve dans un parcours. Oh punaise, déjà c'est sans collision. J'ai pas vu du tout les gars, donc bah, ça sera sans collision. Menteur. Je vous jure, j'ai pas vu. Alors là, ça, on va raconter chacun une histoire. C'est le principe qu'on a fait la dernière fois, les gars, même principe. Sauf que la salle n'était pas là. Donc cette fois-ci, la salle est là. On raconte une histoire. Cette histoire peut être vraie ou fausse. Et à vous, bah, du coup, dans les commentaires et entre nous. On va devoir dire si cette histoire est vraie ou fausse. Et on va commencer par, du coup, Maë. Non, non. Si, si, si. Oh, mais non, pas maintenant. Attends, attends. On va commencer par Maë. C'est une histoire en tête. Ça part en impro, direct. Personne n'a une histoire en tête. Comment ? Je t'avoue que... J'ai réfléchi à mon anecdote. Mais tu t'es dit ta anecdote, moi, je dis c'est une qui commence. Ouais, je suis d'accord. Pourquoi ce serait moi ? Parce que c'est ton jeu. Parce que c'est toi que. Voilà, je t'ai vidéo. Voilà. Alors, ok, bah, je vais raconter une histoire. Ok. Donc, c'est bon. On n'a pas eu le temps de préparer, quoi. Bah, tu veux que je commence, Anuin ? Non, 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 toi, c'est. Toi, non. Pas maintenant. Moi, déjà. Ah, non. Ah, ouais. Ok, alors. Je vais raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a quelques temps, on va dire, de ça. J'étais. Attendez, parce que ça se passe pas ici. Ouais. Du coup, j'étais à la salle dans un centre commercial. Tu vois. Bon, c'est un centre commercial normal, quoi. Et donc là, je vois un gars qui me regarde chelou. Il est avec sa mère et tout. Et bon, il me regarde bizarre et tout. Je dis, ok, bon. Why not, quoi, j'ai envie de dire, why not. Et. Bon bah je me doutais bien que c'était un babouin quoi, tu vois, c'était un abonné. Ouais. Merde, je suis tombé. Et du coup suite à ça, la salle, il vient me voir et il est avec sa mère, tu vois. Et il me dit voilà, je regarde tes vidéos, machin, 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 enfin bref, le classique quoi. Et tout. Je dis bah écoute, ça fait plaisir, machin, que tu me soutiennes et tout. Et bon voilà, il prend sa petite photo, tout tranquille quoi, rien de méchant quoi. Là tu dis rien de plus normal, on est d'accord. Rien d'anormal tu veux dire? Ouais, rien de normal quoi. Et du coup, suite à ça, la salle... Attendez, parce que... D'ailleurs la salle c'est un box parcours. Et du coup, suite à ça, ouais. Le soir je rentre chez moi, je reçois un DM. On est d'accord. Un DM d'une fille qui s'appelait d'ailleurs, elle s'appelait Camille. Là, ça. Donc je me dis, qui est Camille, ça me dit rien, machin, machin, tu sais, au premier abord. Et là, je vois, salut, mon fils a pris une photo avec toi ce matin. C'est des matins, tu vois. Et je voulais savoir t'as quel âge. Donc la daronne du gars qui m'envoie ça. Hein. Parce que là, on est d'accord là-dessus pour l'instant. Ouais, on te suit, hein. Ok. Donc, la daronne du gars qui m'envoie ça. Bon, bah, moi, tu doutes bien que. Bah, je suis un peu choqué, quoi, parce que je me dis pas qu'est-ce qu'elle me veut. Je dis, bah, tu sais, du coup, je réponds, peut-être que son fils, il veut un truc, quoi. Du coup, je dis, bah, écoute, voilà. Je lui donne pas mon âge, parce que j'ai pas envie. Donc, je lui dis, bah, écoute, j'ai plus de 20 ans, je lui dis. Elle t'a dit, quoi? N'importe quoi. Rigole ou quoi? Non, non, elle me dit, ah, bah. Ah, non. Elle me dit, ah bah ouais, bah c'est ce que je me disais. Et en fait, elle a 32. Oh le menteur! Elle a 32, elle, tu vois. Elle a dit, c'est ce que je me disais? Ouais, ouais, ouais. Bah pourquoi tu me crois pas? Non, non, mais continue, hein. Donc elle a 32 ans, et puis elle me dit, bah écoute, c'est ce que je me disais, machin. Je voulais juste te dire. Parce que moi, je me rappelle d'une meuf à qui on a demandé, à ton avis, il a quel âge lui, et elle avait dit 12 ans. C'est pas le même âge, quoi. Ouais, mais j'avais pas la barbe et tout. Ah oui, ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais. C'est ça la différence. Donc bref, et du coup, suite à ça, la salle, eh bien, elle me dit, bah écoute, on est séparés avec mon mari et tout, j'ai 32 ans. Avec mon mari ou mon ex-mari? Enfin, mon mari, quoi, mon mari, son mari, quoi. Bah, ils sont séparés ou ils sont mariés? Son père, quoi, tu m'as compris, quoi. Son mari, elle est mariée avec son père. Et du coup, j'en apprends des choses de jour en jour. Non, mais le mari, le père de l'abonné. Et bref, ouais. Du coup, bah, après, ouais, elle me dit, ouais, bah, voilà, elle me dit,
Elle me dit ça, et puis écoute, moi je lui dis, bah ouais, c'est intéressant, quoi. Et On va finir le parcours avant la fin de ton histoire, hein, si jamais. je lui dis quoi? Je lui dis, bah écoute, sans plus, ça m'intéresse pas. Voilà. Est-ce que cette histoire est vraie ou fausse? Vu le temps qu'elle a duré, je pense qu'elle est vraie. Ok. Vu le temps qu'elle a. Vu le temps. Moi, je pense que ton histoire est à une partie de vrai, mais des détails sont faux. Voilà. Ouais, moi aussi, je pense qu'elle est fausse. Non, elle a même. Vous pensez qu'elle est fausse? Ouais. Eh ben non, elle est vraie. Ça rien. Non, Ouais, elle est juste un peu vraie. pour Maï. Elle est vraie, mais il y a des détails qui sont faux, je le sais. Non, Non, je pense quel détail? Mais je l'ai dit, j'ai dit, elle est vraie avec des détails faux. Genre la meuf, elle dit, ouais, non, je le savais. Ouais, non, ceci, cela, allez, allez, allez. Mais bon, après, moi j'ai pas donné plus, quoi. J'ai pas donné suite, quoi, je veux dire. Mais voilà, quoi, parce que bon, c'est une arme. Bon, ouais, du coup, Maïs, à toi. Alors, mon histoire s'est Un jour, je me suis passée. fait daronner. N'importe quoi. Alors, c'est vrai ou faux? Hein? Non, allez, on te laisse Vrai ou raconter faux? une vraie Oui. histoire. Une vraie histoire, s'il te plaît, Par parce que. contre, il va pas monter le véhicule. Alors, un Ok, jour, je reste cool. c'était, je pense, en 2019, j'étais avec mon équipe de foot à un tournoi. Lors d'un grand tournoi, il y a des équipes, de grandes équipes nationales, etc., comme Lyon, Paris, etc. Et il se pourrait qu'on soit dans un hôtel de luxe, vraiment un très grand hôtel. Et qu'est-ce que je voulais ajouter? Non, attends. Ah, ton histoire, c'est je suis dans un grand Non. hôtel de luxe. Ah Non, ouais. c'est pas ça, c'est pas fini, c'est pas fini. Donc, les balcons, ah oui, parce qu'on était au rez-de-chaussée de l'hôtel, donc forcément les balcons étaient un peu accessibles à tout le monde. Et il se pourrait qu'une équipe adverse décide pendant la nuit d'aller voler nos maillots, qui étaient en train de sécher sur le balcon. Ah. Donc jusqu'ici, on se réveille, le lendemain on se réveille, on se demande où sont passés nos maillots de match. Et une fille de Paris se ramène avec les maillots en main, donc on lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et elle nous dit qu'en échange, si on devait. Bon, pardon, je bégaye, mais parce que je me souviens pas trop. Donc, pour réavoir nos maillots, elle nous dit de lui laisser gagner pour la finale. Et du coup, c'est fini. Ah. Moi je dis c'est faux. Ça m'a l'air louche ton histoire quand C'est même. vrai que c'est une Hein. histoire un Ouais, peu c'est bizarre. bizarre quand même. C'est un peu de chantage quand même, c'est bizarre. Ouais. Bon allez, je dirais que c'est faux moi. Comment Paris peut dire ça, quoi? C'est ça. Ah non, ça peut être Alors vrai que toi la par exemple. meuf, quand même, c'est une... si elle joue PSG, techniquement, elle est censée avoir une bonne image puisque elle veut potentiellement être professionnelle. Donc je vois pas pourquoi elle irait voler des maillots, quoi. On les a gagnés en match de Surtout coupe des et qu'on maillots se de bain. retrouvait contre elle. Non. Au hasard, aussi. Moi, sans rire, Il est dans la j'ose file. rire. Non, c'est faux, je pense. Ouais, faux. Bah ouais, faux. Donc, tout le monde a Ouais, donné faux aussi. son verdict. Mais Mais il y non. avait une partie vraie, une partie fausse. C'est Tout quoi? était vrai, Ah sauf ouais. que pour rendre les maillots, on doit les laisser gagner en finale. Ah. Ah, et toi, t'es Sinon, victime. c'est. De quoi? Et l'histoire, c'était quoi? Qu'ils La sont vraie ou volés la leur maillot, fausse? non, c'est ça? La fausse, c'était quoi déjà? Ben que pour récupérer nos maillots, fallait les laisser gagner en finale. Ouais, et la vraie? La vraie, c'est qu'ils nous ont vraiment volé nos maillots. Ouais. Oh ouais. Et que nos coachs étaient obligés d'intervenir dans leur équipe. Ah. Mais cette histoire de finale, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai qu'elles nous ont dit qu'il fallait laisser gagner. Mais c'est vrai Ouais, qu'elles nous voilà. ont chouraves nos maillots. Ah ouais. Ah Pas ouais. nul. Ah ouais. Ok. La salle? Bah, un jour, je me suis retrouvé bloqué dans la forêt. Vous me Ouais. demandez pas comment, hein? D'accord. Comment? Un jour, je me suis retrouvé bloqué dans la forêt, mais bloqué, genre, j'étais à. Non, Allez, bloqué. 60.
60 km de chez moi. Et du coup, il n'y avait rien. Il n'y avait que de la forêt. Et comme j'avais pas de téléphone, j'avais rien et tout, et je savais pas comment faire pour rentrer, parce que à pied, j'aurais jamais pu faire 60 km. Et ben, j'ai vu des poules sur le bas-côté, et j'ai volé une poule pour dans le but de la tuer et la manger pour survivre. Foutrais pas un petit peu la gueule par hasard. Non. Tu aurais pu utiliser la poule pour essayer de voler, quoi. Mec, Ouais, j'avoue, t'aurais pu voler avec la poule. Ouais, pris. comme sur Fortnite. Quand tu chopes le Alors? mur. Moi, je dis c'est vrai. Ouais, c'est faux. Carrément. Ah, moi, je dis c'est vrai quand même. C'est carrément vrai. C'était quand cette histoire? Ah bah, je dis pas. Oh. Bah, si, t'as le droit de te poser des questions, t'es obligé de répondre au cas où. Trop de détails après, Non, tu non, non, t'es sais obligé de quoi. répondre. Ah, mais c'est vrai de toute façon. Voilà, la buse, il a donné sa réponse. Allez, suivant. Pas de détails. C'était il y a combien de temps? Non, il n'y a pas de Pas de détails. détails, on t'a dit une nuit, non. Est-ce que ça date? Est-ce que. Ok. Bah écoute, du coup, je pense que cette histoire est fausse. Suivant. Fausse. Ah, du coup, on sait pas si c'est vrai ou pas. Ah ouais, vous avez pas confiance en moi, quoi. Bah Bah, ça moi paraît j'y bizarre crois. comme histoire quand même. Franchement, non, moi j'y crois, mais t'aurais pu voler avec la poule, c'est vrai. T'as Ouais. raison, Marie. Mais j'ai pas pensé sur le coup. Ah ouais, tant pis, la prochaine fois. Unwin? Bah moi je dis que Fausse. c'est faux. Suivant. Bon Bah tout bah. le monde a donné son verdict. Ok. Bon, ok. Eh ben non, c'est vrai. Mais j'étais pas Ah, tout tu vois, seul, j'avais on est. raison. Ouais, j'étais pas tout seul, on était deux. Avec un pote à moi et on s'est retrouvé bloqué. On s'est retrouvé bloqué. Alors même pas en France, hein, c'est pour ça qu'on savait pas comment rentrer. C'est cru On dans s'est retrouvé. l'arc. On s'est retrouvé bloqué dans la forêt. Il y avait une route au milieu et 60 km de route. Il y avait des poules sur le bas-côté, on savait pas à quelles elles appartenaient. Bah, on a volé une poule, on l'a mise dans notre sac et on voulait la cuisiner, quoi. Au cas où. Et puis finalement, au bout de quelques heures, il y a une. Cuisiner, je suis mort. Au bout de quelques heures, il y a une voiture, mais quand je vous dis une, c'est une voiture qui est passée par là. Et heureusement, le mec nous a récupérés alors qu'il avait peur un peu, il voulait pas nous récupérer. Il s'est dit, qu'est-ce que vous foutez là-dedans et tout. Donc il voulait pas ouvrir sa fenêtre et tout, on parlait à travers la vitre. Et finalement, il a compris qu'on était inoffensif et du coup, on a reposé la poule au final. D'accord. Au bout de quelques heures, on l'a quand même gardé avec nous quelques heures au cas où. Au cas où, genre, le gars il vous dépose, il vous dit non finalement. Non, au cas où il n'y a personne, on doit survivre dans la forêt. Eh ben, vous avez des délires bizarres, vous. Bah non, c'est pas des délires, tu crois qu'on a fait exprès ou quoi? Mais la poule, tu vas la cuire comment déjà pour En fait, commencer, la il y découper? avait Un des. feu Y quoi. avait, Bah en si. fait, ce chemin-là, il y avait des minibus qui passaient. Et les minibus là, ils arrêtaient de passer, je crois, vers 18 ou 19 h. Et on a raté le dernier. Ah ouais. On s'est retrouvé bloqué. Ouais. Pas mal, pas mal. Quelqu'un d'autre a une petite histoire à raconter? Moi, j'en ai une petite en vitesse. Allez, Corentin. Alors, j'étais en vacances, donc j'étais à la plage. Ah, c'est faux! Non, je n'ai même pas commencé. Non, mais c'est faux, il est jamais en vacances, lui, d'abord. Et donc? Bref, donc j'ai fait des skis et tout, et à un moment, il y avait beaucoup de vagues. La marée, elle était hyper haute et il y avait beaucoup de vent, donc les vagues, elles étaient fortes. Donc je fais du jet ski et tout. Et à un moment donné, je tombe. Mais avec les vagues, en fait, le jet ski, il s'est vite écarté de moi, en fait. Du coup, tant que je nage jusque là-bas, bah, j'arrivais pas à rattraper le jet ski. Et du coup, j'étais au milieu de l'eau et les sauveteurs, ils étaient plus loin. Donc j'essayais de faire signe et tout, mais pas moyen, ils me voyaient pas. Du coup, bah, j'entendais là, j'avais pas le choix. De là, il y a un dauphin qui est venu et qui a sauté à côté de moi. Et les sauveteurs Et approchés. quoi? Un dauphin. Ouais. Donc le dauphin est venu, il a sauté près de moi. Et de là, les sauveteurs, ils ont tilté et ils sont venus me chercher. C'est pas une Ça aurait vague pu être vrai. Ça aurait pu être vrai jusqu'à un l'histoire du dauphin après là. dauphin? Ça part un peu en film. En film C'est fantastique. Moi, vrai, je t'as un dirais faux. dauphin. Moi, je pense que c'est faux, ouais.
Après, ça peut être pas, tu vois, un dauphin. Non, moi je dis que c'est vrai. Non, moi je dis que c'est vrai. De rien n'empêche. Hein, donc, Ouais, non, c'est vrai. Ouais, il est vrai aussi. Alors... Bah, il y a une partie vraie, une partie fausse. Le. Ah. Après, le dauphin. Il peut rester vrai, mais le dauphin c'était faux. Voilà, je le savais. Oh. Je me disais bien. Ah, ça aurait pu être possible parce qu'il y en avait vraiment où j'étais donc. Mais le dauphin ouais, qui saute ouais, c'est au bon moment. Dauphin, c'est un peu bizarre quoi. Ça aurait pu être vrai. Quelqu'un d'autre a une histoire? Non. Bah, l'abusément. Ah bah... Ah bah, si non, tu veux. Bon. Non, là j'en ai pas là. À la salle, t'en as une autre? Bah, j'en ai toujours moi des histoires. Allez, on va raconter une dernière histoire pour la salle. Et ensuite les gars, on se quitte là-dessus, je vous mets un peu de gameplay. Voilà. Ok. Un jour j'étais dans une maison. Et la ouais. maison elle a pris feu. Mm-hmm. Non, j'étais pas dans une maison, c'était un grille-pain. Et il a pris feu. Si j'avais pas eu la présence d'esprit d'avoir des cornflakes à la maison, bah je déjeunais dehors. Bah, je pense que c'est vrai. Cette histoire est totalement vraie. Et vous, vous dites quoi, vrai ou faux? Vrai. Vrai. Eh non, c'était faux. Malheureusement. Non, menteur. Jure. Ah, ouais, c'est possible. Quand même. Jure. Là, ça, t'as un petit mot à dire pour la fin? Tout à fait.